Bonjour! Aujourd'hui, je voulais vous parler du matériel pour faire des collages. Que vous preniez un cours avec moi ou que vous vouliez faire du collage à la maison, je voulais vous parler un peu des choses de base qu'on doit avoir et des choses d'extra qu'on peut avoir en plus. Donc, premièrement, pour commencer avec du collage, ça prend de la colle. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de la colle en bâton. C'est facile à trouver, c'est facile à manipuler. Et puis, on peut coller et décoller avec. Donc, ça fonctionne bien. Il y a des petits tubes, des gros tubes, comme vous voulez. Il existe d'autres types de colle, de la colle à bois. Ça, c'est un peu mouillé. Ça va peut-être être difficile pour le papier. Il existe aussi de la colle caoutchouc. Je vais vous montrer. Attendez, dans mon armoire magique, j'ai de la colle à caoutchouc, qui est une très bonne colle pour le papier, qui ne va pas faire bouger le papier, qui ne va pas le faire gondoler. Par contre, elle est un peu toxique, il faut ouvrir la fenêtre. Donc, si vous travaillez avec des enfants, peut-être pas la meilleure colle, mais c'est une bonne colle aussi. Mais je dirais la colle de base, la colle en bâton. Ensuite, pour découper, ça prend des ciseaux. N'importe quelle grandeur de ciseaux va faire l'affaire. Ensuite, ça c'est vraiment la base. Avec des ciseaux, on est correct. On peut découper en déchirant. Ça va donner différents effets dont je pourrais vous parler plus tard, mais pour les plus jeunes aussi, si on ne veut pas qu'ils manipulent des ciseaux, ça peut être en déchirant. L'autre outil que j'utilise beaucoup, c'est l'exacto, comme ça, un petit exacto. Il y a différents formats d'exacto qu'on peut utiliser, mais lui, je l'aime beaucoup, il est simple, il se manipule bien. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'outils, ici on a une planche à découper pour aller avec l'exacto. Alors, une planche de coupe, il y a différentes grandeurs. Celle-là est toute petite, mais elle se vend chez Dollarama, vraiment pas cher. Je pense que c'est 4 $ pour un exacto, des lames d'extra et une petite planche. Donc, ça peut être un bon achat pour faire des collages parce qu'avec une planche et un exacto, on peut vraiment réussir à faire des collages plus. Des découpures plus fines, des choses plus délicates. Donc voilà, coller, couper. J'ai fait le tour rapidement. Maintenant, on va parler du matériel parce que ça, c'est ce qui me passionne. J'achète pas beaucoup de matériel comme tel parce que moi, j'aime beaucoup réutiliser, recycler et c'est vers ça que je vais vous envoyer aussi, vous diriger aussi. Comme ça, pas de dépenses, mais aussi on réutilise ce qu'on a déjà. Donc, la première chose, des revues. Moi, j'aime beaucoup les revues de mode parce qu'ils ont des grandes photos, souvent avec des très belles couleurs, qui offrent beaucoup d'inspiration, des grandes pages de belles couleurs. Les revues, ça se trouve facilement, peut-être chez vous, vous en avez déjà. Peut-être souvent sur Kijiji ou Marketplace, il y a des gens qui en donnent. Mais si vous avez dans votre ville des boîtes de livres, de partage de livres, comme des croque-livres, vous pouvez souvent trouver des revues là, des National Geographic, des Vogue, des Ricardo, peu importe. Donc, vous pouvez prendre des revues là, c'est gratuit et ça va vraiment vous donner une bonne variété de matériel. Les revues, vous pouvez porter une attention spéciale au type de papier. Ça, c'est une revue de mode, donc c'est du papier glacé, mais on a d'autres revues, j'en ai pas sous la main, mais qui ont du papier plus mat, donc ça va faire un autre effet, c'est intéressant aussi. Il y a du papier plus fin, comme le New Yorker, qui est proche du papier Bible. Donc, à force d'avoir des revues, vous allez voir les différentes textures du papier, puis ça peut être quelque chose qui est intéressant. Ensuite, les livres. Toujours dans les croque-livres, vous pouvez trouver beaucoup de livres et vous allez apprendre à regarder les livres maintenant sans vous demander est-ce que c'est intéressant à lire, mais plutôt est-ce que c'est intéressant à découper. Donc, si j'ai un livre sur les machines, qui est vraiment pas un livre récent, c'est un livre élagué de bibliothèque, et je le trouvais intéressant parce qu'il y avait des grandes images comme ça de couleurs et des illustrations un peu vintage. En 2 couleurs, 3 couleurs, très simple. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment un livre intéressant. Vous pouvez regarder dans votre bibliothèque si vous avez des livres. Pas découper des livres de la bibliothèque municipale. Ne pas découper des livres qui ne vous appartiennent pas. Mais après ça, vous êtes vraiment libre de découper toutes sortes de livres. Ça aussi, j'ai pris ça dans un croque-livre.
rendez-vous dans 10 ans. Je trouvais que le papier, moi j'aime beaucoup les papiers jaunis pour faire un effet quand je fais de la poésie en coupant des mots. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et dans les livres d'amour comme ça, il y a souvent des mots qui m'inspirent. Voilà. Donc vous feuilletez, vous vous ramenez à la maison. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement ce que vous voulez en faire. L'important, c'est d'avoir sous la main une variété de matériel. Ensuite, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut utiliser que vous avez sans doute à la maison. Par exemple, des sacs. Ça, c'est un petit sac que j'avais rapporté de voyage. Des sacs comme ça. Des sacs cartonnés, là. Comme ça, les couleurs sont très belles. Rouge, noir. Après ça, on peut réutiliser le carton ou la dorure. Ça peut être intéressant. Des enveloppes. Des enveloppes. J'aimais beaucoup le côté rose flash de celle-là. Pour ce qui est des cartons, quelque chose de rigide. Ça, c'était, je pense, dans une boîte de trucs à gâteau. Je découpe vraiment tout. Je recycle tout. C'est vraiment, ça fonctionne bien. Une des premières séries que j'ai publiées dans une revue, c'était une série qui avait été faite avec des sacs de chips. Donc ici, j'ai ces merveilleux sacs de chips que mes amis me gardent, mais à l'intérieur, c'est doré. Très beau. L'extérieur est belle couleur mat. Donc, il y en a de toutes les couleurs. Qui dit chips dit bière. Alors, ici, on a des bières de microbrasserie. Je vais rendre le crédit à mon chum et ma fille qui ont trouvé cette idée. Mon chum boit beaucoup de bières de microbrasserie. Et si vous arrachez ici la petite étiquette, elle se décolle très bien. Et ensuite, moi, je les colle sur du papier ciré et ça donne des choses très intéressantes. Ici, on a un mouton, s'il y a des belles couleurs. Donc, on peut réutiliser ça. Vous ne pensiez pas hein, que je vous parlerais de chips et de bière aujourd'hui, mais oui. Autre chose très intéressante à utiliser, les petites couleurs de chez Sico. Il y a beaucoup de choix. Là, j'ai pris des couleurs rouges parce que ça va être à Saint-Valentin bientôt, puis on va faire des cartes de Saint-Valentin. Toujours dans le même esprit de recyclage, si vous avez des cartes de Noël que vous voulez réutiliser, si vous avez des photographies anciennes ou des photographies que vous avez envie d'utiliser, ça peut être intéressant. Tout ce qui est papier kraft, des sacs en papier kraft, ça fait très beau comme fond pour coller le collage. Moi, j'aime beaucoup ça. Ou pour faire des cartes, alors ben, on peut prendre ça puis les plier. Moi, j'utilise aussi, donc près de chez moi, il y a un magasin de peinture, de rénovation. Donc, c'est là que j'ai pris les carrés de couleurs. Mais ils ont aussi, ils vendent de la tapisserie et ils ont régulièrement à mettre à jour leur catalogue de tapisserie et je peux récupérer les catalogues des tapisseries. Donc, ça fait, là, j'en découpe là, parce que j'en ai beaucoup, mais ça fait des belles textures, toujours sans frais, sans rien à acheter, toujours en recyclant. Moi, j'utilise l'écorce de bouleau, mais je n'arrache pas ça sur les bouleaux vivants, juste les bouleaux morts. Et je trouve que ça fait très beau, il y a différentes teintes dedans. Donc, ça peut être un autre matériau qu'on peut utiliser. Ensuite, bien, pour faire les cartes comme telles ou les collages, on peut coller ça sur du papier aquarelle. Chez Homère Dessert, ce papier aquarelle est quand même bon, fait en Italie et est très quand même de base, donc coûte pas cher. Ça peut être bon pour plier, pour coller. Je l'aime beaucoup. J'ai aussi un encadreur près de chez moi et je réutilise les passe-partout, les retails de passe-partout qu'il me donne. Il faut juste passer avant le recyclage. Donc, vraiment, essayez de réfléchir à comment réutiliser ce que vous avez déjà parce qu'on a beaucoup de choses à la maison et on ne s'en rend peut-être pas compte. Dernière chose, dernièrement, j'ai aussi intégré des morceaux de tissu dans certains collages. Donc, ça peut être intéressant. Ça, c'est des petites retailles de rien du tout que j'ai récupérées de quelqu'un qui fait des vêtements de Barbie. Donc, c'est vraiment des petits morceaux, mais elle ne savait pas quoi en faire. Elle ne voulait pas les jeter. Fait que moi, je récupère. Vous avez peut-être des petits t-shirts, des choses comme ça. Pas besoin des fois, hein, un gros morceau. Avec ça, on peut faire un bout de cœur. Voilà. Bon. En gros, je pense que je vous ai parlé. J'essaie de voir sur ma table de travail qu'est-ce qui reste. Je vous ai parlé de qu'est-ce qu'on peut prendre pour découper, ce qu'on peut prendre pour coller, les matériaux. Évidemment, à ça, on peut ajouter les crayons de couleur, l'aquarelle,
La peinture chez Dolorama, ils vendent de l'acrylique vraiment bon marché. Sinon, on peut récupérer les choses quand on était petit, quand on était à l'école, les choses des enfants, les crayons de couleur Prismacolor, tout ça, on peut utiliser ça pour intégrer au collage, faire des marques. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. J'ai très, très hâte de faire les cours avec vous ou j'ai très, très hâte que vous fassiez vos collages et que vous montriez ça. Vous pouvez me taguer dans vos médias sociaux pour que je vois comment vous avez utilisé ça. Je vous souhaite une bonne journée et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et à me suivre sur les médias sociaux. Merci, bonne journée!